Bon les amis, on se retrouve directement pour le test de la 125 CB RFZ. On sait déjà pas ce que c'est. Bon les amis, 125 Honda, c'est tout ce que je peux vous dire. Moto accessible à partir de 16 ans. Permis A1, voilà, c'est ça le permis 125. Attention, signalétique impeccable. On va regarder ça, on va démarrer ça. On va aller faire un petit test pour voir ce que ça donne. Ah, c'est trop mignon. C'est vrai que le bruit me fait penser... Ah, on dirait qu'elle va couler dans l'eau. Oh, la position. Ouh là là, on va mettre une première. On va être directement dans les petites routes 2. Oh, l'embrayage, il est long. Ouais, ouais. Oh là là. Bon, déjà, première vue, c'est léger. Ah ouais, ça a l'air de pas avancer d'un péco. On va faire un petit test sur route juste après. Bon, ça va qu'elle est chaude. En vrai de vrai, les amis, je vais vous donner mon ressenti sincère là-dessus. Je trouve qu'on est vachement bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le... On n'a pas la reprise de la MT. Tu vois, je m'amuse à faire ça en MT, je suis là en train de sauter. Mais c'est vrai que c'est pas non plus déplaisant. Tu vois, je trouve que la position n'est pas sur un vélo non plus. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Ah oui, par contre, comme la boîte n'est pas du tout pareille, ça va être dur de s'habituer. Alors... Ça braque relativement bien. Par contre, ouais, c'est vrai que là, comparé à la MT, tu vois, ça m'a l'air léger de ouf. Oh, par contre, il faut aussi faire un embrayage. Ça n'a rien à voir comparé à moi. On va faire déjà un petit test. Conduite un petit peu sportive. En vrai de vrai, il n'y a pas de quoi, tu vois. Il n'y a pas de quoi se dire que c'est nul. Hein. C'est déjà joueur un petit peu. Si vous voulez vous acheter une moto ou une voiture pour cet été, j'ai l'astuce qu'il vous faut les mecs. Grâce à votre plaque d'immatriculation ou votre numéro de châssis, vous allez pouvoir vérifier votre véhicule avant de l'acheter. Tout ça c'est possible grâce au sponsor de cette vidéo les amis, Car Vertical. Vous allez tout simplement obtenir un rapport complet et détaillé sur un véhicule que vous avez choisi. Ça va vous permettre de vérifier que le véhicule n'a pas été endommagé. Exemple, si c'est une MT-07, de vérifier qu'elle n'a pas été tapée. Pour une voiture c'est pareil, si elle a été tapée, si elle a été changée de couleur directement, s'il y a des pièces plus d'origine ou quoi, tu vas avoir tout le dispositif directement là-dessus. Je te mets tous les liens en description, un exemple à l'écran. T'as moins 20% avec le code Léonade si jamais tu veux passer un de tes véhicules. Je vous mets tous les liens en description les amis et on se retrouve directement à la vidéo. Ciao. Bon les amis, on est directement parti sur la route pour tester ça. Au revoir ma chérie. Oh putain, attends, on va essayer de pas se péter la gueule. Oh punaise. On va au moins pouvoir tester les suspensions et tout. Mais c'est vrai que moi qui avais jamais testé 225, on va pouvoir voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, c'est vrai que la première, tu vois, c'est que pour partir. Hein. On va mettre un peu de gaz. Et c'est vrai que déjà, la ligne, tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu de retour. Oh là, on va mettre plein gaz, les mecs. C'est siglé jusqu'à 12 000 tours. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est vrai que dans les tours, bon, ça a l'air de freiner plutôt bien, tu vois, pour une moto qui fait son poids. Ça va, c'est pas négligeable. Je pense vraiment que je suis pas déçu. Je pense que tu peux déjà t'amuser largement avec ça. Bon, après, je pense que si tu t'es habitué à une grosse moto, tu vois, hey, ça marche déjà bien. On est déjà à 100 km/h. Comme ça, dans une montée. Franchement, je suis sacrément étonné de la moto, quoi. On va voir un petit peu là, au niveau des suspensions. Ouais, c'est assez raide, tu vois, mais ouais, ça reste une moto. Quand tu repars un petit peu dans les tours, bon, ça a un petit peu de reprise quand même. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Ils ont réussi à faire un truc assez propre, hein, je trouve. Hop, tranquillement. Franchement, je trouve que pour le modèle, pour l'année, on va s'arrêter rapidement pour voir la dégaine. Bon, par contre, c'est vrai que ce que j'aime pas du tout, c'est le bruit, tu vois. Si t'arrives à faire un bruit un petit peu plus rock... Attends, on va la poser, t'imagines, elle tombe. Franchement, tu fais un bruit un petit peu plus rock, je kiffe. En vrai, en 125, ça me fait penser un petit peu à la RFZ, le 150, les amis, ce moteur 4 temps. Mais c'est vrai que déjà, ça a une dégaine assez sympa. Je comprends en fait le délire du 125. Mais c'est vrai qu'après, en 50, tu vois, bah, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est pas comparable, mais dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, c'est équipé. Ouais, t'as tout. Hop, le petit appel de phare en LED, les petits clignotants. Ah oui, ok. Et tu reviens, ok. Ouais. Bon, après le bruit, tu vois, c'est un moteur 125. Donc tu peux pas t'attendre non plus à avoir un foot de guerre. Là, tu vois, je mets plein gaz. T'attends qu'elle prenne rapidement les tours. En fait, je pense à un moteur. Tu dois être tout le temps dans les tours. Et si tu y es tout le temps...
pense que si t'es tout le temps dans les tours avec la moto, bon, je pense que déjà tu peux t'amuser un petit peu. Ouais, je pense qu'il y a déjà moyen de s'amuser, tu vois. Après, moi, je vous dis ça, les amis, je suis en train de vous comparer ça avec un 700. Mais faut se rappeler que si t'as 16 ans, tu peux avoir une bécane comme ça, tu vois. Donc franchement, tu mets ça à 16 ans, bah, je préfère déjà avoir ça que de n'avoir rien. Bon, ok, là, ça prend du temps à monter, mais regardez déjà le compteur. Je trouve que c'est pas dégueu, hein. Tu peux déjà t'amuser un petit peu. Après, je sais pas si t'as moyen de débrider l'engin ou quoi. Mais comparé à une 50, ouais, c'est pas du tout pareil. J'ai hâte de voir vos retours sur ça en commentaire. Si vous avez d'autres modèles 225 que vous préférez à ça. On va pas commencer à faire le foufou dans les virages. Mais tu vois, c'est vrai que je peux comprendre ce qu'il disait justement, que dans les virages, tu peux déjà commencer à t'amuser. On va regarder, c'est un petit peu de reprise en montée, en troisième. Ah, ça monte. Franchement, je m'attendais à avoir un truc plus veau que ça, tu vois. Alors oui, ça n'a pas un coupe de fou, mais ça a quand même une vitesse, tu vois, qui relativement s'approche. Bah, pas d'une grosse moto, mais tu... Il y a quand même quelque chose, tu vois, pour se balader, je dis pas non. Tu vas apprendre sereinement ce que c'est. Par contre, ces rétroviseurs, frérot, ils sont réglés, tu vois. Là, tu vois le... Là, tu vois bien, là, tu vois la lune. Mais franchement, ouais, tu veux pas faire de bruit, tu veux te balader, je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de monde qui kiffe. Après, tu vois, c'est toujours la même chose. Est-ce que tu vas mettre 1 500 €, 2 000 € dans une 50 ou tu vas aller mettre les 3 000 € là-dedans? On prend déjà 70. Bon, t'as pas l'impression de les prendre parce que t'as pas cette sensation. Mais c'est vrai. Ouais, franchement. Ouais, je suis vachement surpris. Je m'attendais vraiment à pire, honnêtement. Bon, t'as tout le temps la poignée qui est cassée dans l'angle, frérot. Mais... Mais c'est vrai que je m'attendais à pire, hein. Par contre, c'est vrai que ça gueule pour ce que ça avance, hein. Mais ouais, ça reste maniaque. Franchement, le châssis, il est étonnant. Je serais... Peut-être pas de faire une journée complète avec ça, tu vois. Parce que je pense à la fin, t'en as marre. Si t'as échangé ta grosse moto contre ça. Mais c'est vrai qu'en 50, éventuellement, ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que la 50, tu vois, c'est du deux temps, ça n'a rien à voir. Et je pensais plus vraiment me retrouver sur un veau. Et là, franchement, je suis pas déçu. Par contre, tu vois, je trouve ça un petit peu dommage que tout soit sur le... Tu vois, il n'y a pas de truc à la main sur les Komodo. Ah ouais, non, en ville, franchement, je pense que tu peux t'amuser. Si t'arrives à gagner un petit peu de puissance là-dessus, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Départ arrêté. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Honnêtement, c'est pas dégueu. On va essayer de pas salir le pneu. Impeccable. Là, il s'est mis à l'extérieur pour que vous puissiez entendre le bruit de ce que ça donne. On pousse le bolide. Chaud, chaud, chaud les mecs, 90 km/h. Hop, allez, hop, 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 hop. Retour au stand. Bon, du coup, les amis, voilà pour le test de 725. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vraiment, j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Vous l'avez vu à la caméra que franchement, je m'attendais à pire et je suis surpris quand même du véhicule. Je m'attendais vraiment à pire. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Léo et Lucas. Salut les mecs. Ciao. Ça, c'est du bruit, ça. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just...